Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs télé provinciales. Jeudi, on a pour recevoir ensemble avec nous deux adultes, deux personnes qui étaient déplacées à participer dans l'activité intergénérationnelle que l'ICC a organisée dans Porto Rico, dans date 11 juillet pour arriver 16 juillet. Semaine passée, nous avons recevoir trois jeunes, qui était Stéphane Djengeléo Rival, Olivier Désiré avec Jaïm Jean-Noël, qui t'a partagé avec nous expérience, ça a été vivre, qui j'ai été trouvé activité à. Mais qu'on y a, c'est tout par adulte, tout par monde qui était choisi, penser sous créer en façon pour lier deux générations ou peut-être trois générations. Donc, Nabdi, bonjour Ronald Jean-Baptiste qui est avec nous depuis Maryland et bonjour Dr. Grenson qui t'a fait déplacement depuis Haïti pour aller Porto Rico et vivre l'expérience ensemble avec nous. Donc, c'est un plaisir pour nous recevoir nous aujourd'hui sur le plateau téléprovincial. Donc, bonjour et m'a laissé nous le micro pour nous capable présenter tête nous, dit qui est-ce nous est et qui activité que n'a pas entrepris. Bonjour à Vara. Moi-même, je suis Ronald Jean-Baptiste. Je suis de Gonaïves. Moi, fait dans Gonaïves. Moi, grandi dans Gonaïves. Moi, fait études primaires en CAFPREA, chez les Frères de l'Instruction Chrétienne. Mes études secondaires en CIC, qui est Collège Immaculée Conception. Et puis, après ça, moi, Port-au-Prince, que m'aller dans centre d'études secondaires, et puis moi fais rhétorique à philo à Collège Bud. Après ça, que moi rentre aux États-Unis, moi j'ai eu une chance que moi j'étais entré dans l'armée américaine, que j'ai passé 23 ans dans la marine américaine, plus précisément en Navy. J'ai fait des missions un peu partout dans le monde, alors que moi j'ai gradué en économie, et puis moi j'ai un master degré en approvisionnement. Et puis tout, on va comme on a dit de moi-même que moi déjà publié à deux livres de poésie. Un premier livre de poésie là, moi j'étais là en Rue Saint-Charles parce que c'est là que moi j'étais grandi dans Gonaïves, moi les Rue Saint-Charles. Un deuxième livre que moi écrit c'est Du verre dans mes vers. So, et puis que moi j'ai deux petits mondes, moi j'ai un petit garçon, un petit fille. So, c'est moi-même ça, c'est en gros Ronald Jean-Baptiste. Ok, d'accord. Merci, Ronald. Donc, nous comptons avec aujourd'hui, hein, Dr. Grenson. C'est tout pas, présenter tout et dit qu'il y a une activité, champ d'activité que oui. Oui, bonjour. Et puis, on peut dire bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui ont écouté nos bons, son plaisir donc, pour nous participer donc, sur cette plateforme-là. Et puis, pour nous faire petite cause de ça pendant quelques minutes. Bon, moi-même, je suis dessalinien. Ouais, en fait, l'arrière-fils de Dessalines. Effectivement, on marche à Dessalines. Et puis, de commencer un petit peu quelques années dans l'école. National de marchand de salines scolaire. Et puis, bon, après, ben, continuer et primaire là, au niveau de l'école Saint-Valery, des Gonaïves, et puis passer au lycée, puis entrer tout de suite à la faculté de médecine, graduer, et puis rentrer tout de suite en spécialité de chirurgie générale. Ouais, ça me il y a plusieurs bourses d'études pour l'Angleterre, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la France. Et je finis par choisir une bourse d'études dans le cadre de la coopération franco-haïtienne et pour la Guadeloupe, côté de fait, chirurgie thoracique et vasculaire. Donc, nous sommes médecins, donc, puis nous faisons chirurgie générale, chirurgie spécialiste. Donc, en termes de parenté, donc, il y a deux filles. Et puis, moi-même, depuis que moi, je suis à Haïti, je suis toujours installé pour Gonaïves. Et depuis 2004, je me pratique en tant que médecin. Et puis, je suis membre de grandes sociétés savantes internationales. Je suis fellow American College of Surgeons. Je suis fellow International College of Surgeons. Et moi, j'ai gagné
quatre autres sociétés savantes aussi que, au niveau médico-chirurgical que je fais partie. Et puis, nous, là, comme entrepreneurs qu'on y a depuis 3-5 ans, on a essayé d'écouter la population pour nous créer un pack ouais. Au niveau de la communauté des Gonaïves et comme on a remédié, pas Gonaïves seulement, donc au niveau de l'Artibonite. Merci beaucoup. D'accord, merci, docteur Grenson. Donc, pour aujourd'hui, qui ça nous pral parler? Nous t'aimerions que nous partagions ensemble avec nous motivation nous. Qui ça t'a motivé nous faire déplacement ça? Qui je nous-mêmes en tant qu'adultes nous ouais activité ça et projet ça qui c'est relier plusieurs générations ensemble de façon à ce que nous portions un changement pour Haïti. Donc, qui gens nous ouais projet ça et qui ça t'a motivé nous en fait faire déplacement ça aller Porto Rico? OK, moi, je dois répondre avant encore. En motivation, surtout, c'est que moi, quand on est dans l'Orival depuis très longtemps, moi, je dans l'Orival, nous, on levait ensemble dans Gonaïves. Nous, on était ensemble dans un club que nous avons gagné Gonaïves, un club des jeunes, qui était apparemment qui a un paquet de succès en Gonaïves, ou bien dans la Tibonite là-même. So, quand on est dans l'Orival, pour parler de groupe ça, que moi, je vois que c'est une bonne idée, surtout que on connaît que nous-mêmes, nous, c'est les moins jeunes, les jeunes et les moins jeunes, au lieu de dire les adultes, les moins jeunes. So, nous revenons au moment dans la vie, nous, que nous avons dit que nous presque échoué. Nous presque pas qu'à aider Haïti, vrai, déjà que nous t'avions. Mais qu'on a que c'est ça qui fait que l'idée originale, c'est que pour nous ramener jeunesse haïtienne, non, pour nous ramener Timounio, pour que nous mettions Timounio en. Fait que nous connaissons ça Haïti, ça Haïti besoin, comment que Yoka aider Haïti politiquement, économiquement, socialement. So, moi-même, personnellement, c'est ça qui t'a motivé. Moi, ouais, c'est une très belle idée. Moi, que c'est un très bon mouvement. Et que si que nous travaillons sous les très bien, que nous gagnons plus de chances pour que les gars soient positifs. Dans la dernière réunion que nous avons fait, nous avons parlé. Nous t'ai pris un paquet de jeunes qui t'a parlé nous, de comment que nouvelle génération qui a gagné pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir social, t'es mettre que yo aux États-Unis ou bien n'importe qui boyer au Canada ou n'importe côté boyer que yo ka quand même fait une différence dans le pays Haïti. So, c'est motivation ça. Dr. Grenson? Oh non, Amir, Yes, avant. merci. Bon, d'une façon machinée. Et effectivement, nous avons besoin de parler de Rénal Orival, donc son véritable combattant, et la qualité de travail à faire, et nous apprécions, depuis dès que Jean-Jacques, professeur, donc toujours, et à soumettre des textes que nous avons écrits dans le journal, que Rénal a corrigé pour nous. En fait, l'aile parlait de l'initiative là, et puis immédiatement, moi, idéal, et puis final, OK, moi, il m'appelle. Puis bon, en fait, n'est que faire promotion de rencontre là, que j'ai jugé très intéressant, rencontre intergénérationnelle là, pour que nous parlions réunis et en groupe, parce qu'on connaît son gros travail qu'il a fait là en termes de décision de former de groupe, mais c'est de groupe qui vraiment qui besoin de travail. Parce que groupe, c'est son gage d'efficacité. Son gage d'efficacité, parce que en groupe, il permet que de plusieurs personnalités rencontrées, même si on gagne des biais décisionnels, même si peut-être opinions différentes, mais on connaît donc son réalité, la puissance d'un groupe. Ouais. Et parce que quand c'est en groupe, on est devenu plus créatif, on gagne plus d'énergie de travail et plus, on est plus solidaire et on peut entrer dans une dynamique constructive. Et c'est ça que l'aile dit ça, qui me motivait d'emblée pour m'aller à la rencontre de plusieurs personnalités et pour parler, discuter, élaborer, etc. Parce que
On connaît que nous sommes plus intelligents à plusieurs que seuls. Hein? Nous sommes plus intelligents à plusieurs que seuls. Et même les gens qui sont plus intelligents dans le groupe là, les nous en groupe, même si ils sont des plus faibles, ils sont plus forts parce qu'ils toujours. C'est ça, donc, et la chose. Et tout de suite, Guevara m'a contacté deux, trois autres collègues. Et puis, immédiatement, il y en a d'autres qui répondent positivement. Et puis, ça a été un grand plaisir en ce sens-là. Donc, qui permettent que d'aller à la rencontre à Porto Rico, et puis, pour nous être capables de discuter. Et pas regret, vraiment, c'est une bonne expérience que nous avons besoin qui pour continuer et qui est capable d'avoir vraiment des résultats. Et Jean-Ronald dit là que ce n'est pas que nous avons échoué vraiment, mais on connaît dans la vie, il y a des décisions que vous prenez et il y a des obstacles que vous mettez sur route. Et puis, obstacles, il ne faut pas qu'à avancer pour que les gens puissent avancer. Hein. Parfois, on peut contourner les obstacles, le printemps. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas tout le temps devant nous. Vraiment, c'est ça qui fait que il y a des résultats que et Néo a apportés en Haïti. Mais c'est ça qui fait que nous constituons une sorte de tremplin ou encore intermédiaire dans l'âge que nous sommes pour les jeunes qui vous permettent que ils continuent avec flambeau libertaire parce que pays d'Haïti, c'est pays pâle. D'accord, merci, merci, docteur Grinson. Donc, je m'en suis là, nous toutes là, nous-mêmes qui en Haïti, nous-mêmes qui dehors, nous avons nostalgie du pays et nos besoins, nous envie un changement conséquent qui fait dans patrie, nous, pays, nous, côté nous sortis. Mais qu'on y a là, après que nous fait gros déplacement, ça, est-ce que nous estimons que le déplacement te vaut la peine. Le nous arrivons sur place, qui ça nous te ouais, qui ça nous vive, qui ça nous capable dit de expérience là. Est-ce que nous te apprendre de lire? Est-ce que ça t'est provoqué ou bien suscité de nouvelles idées, changement la caille nous, peut-être des choses qui t'a aidé nous dans l'activité quotidienne nous actuellement. Est-ce que ça te vaut la peine? Pour moi, personnellement, ça te vaut la peine. En pile, en pile, en pile. Premièrement, expérience là, t'es très, très positive dans le sens que nous gagnons un Dr. Paul qui t'est mettait ensemble un paquet d'experts qui t'est venu pendant 3 jours pour venir parler avec nous. Nous t'es gagné expert. Qui était venu directement de Porto Rico, nous avons un expert qui était venu de Saint-Domingue et d'autres experts. So, moun sa aussi moun qui gagne belle expérience qui fait nous comprendre que qui fait nous voir que Saint-Domingue et Porto Rico côté Rio Yekonia yoté tankou Haïti pendant un certain temps. So, ça veut dire que si deux pays c'est au café, Haïti café tout. So, ça fait que nous, ouais, que nous gagnons, on pas nous gagnons espoir que si que nous mettons nous ensemble, si que nous, tout le monde met main à la pâte pour que nous aider des pays, nous, ouais, que nous cas fait un changement pour Haïti. Peut-être que c'est pour cette raison surtout que nous t'es décidé, nous t'es pensé à mener en jeunesse, les moins jeunes, les plus jeunes, dans le groupe là, en deuxième génération, parce que nous connaissons deuxième génération, qu'on y a que, qu'on n'a pas qu'à d'expérience, gagné, believe it or not, que, pas qu'à de team qui fait aux États-Unis, qui fait au Canada, qui entre dans le système en canadien, système aux États-Unis, système américain, un paquet de belles expériences que yo gagné et que nous connaissons que avec expérience à gagner yo capoter un paquet en bagage positif pour Haïti. So, c'est but nous ça expérience ça que nous gagnons nous connaissons que nous vivons que tout pays ça passé dans même ça
Haïti a passé qu'on y a. C'est en question que nous besoin de temps, nous besoin plus d'experts, nous besoin que Haïtiens mettent main ensemble pour que nous fassions Haïti marcher. C'est le que nous avons dit, si l'autre pays a fait, Haïti a fait tout. OK, et vous-même, Dr. Grenson, qui sont dit dans ça? Qui ça où t'es vive? Est-ce que ça te vaut la peine selon vous-même déplacement que vous avez fait? Hein? Tout à fait, tout à fait. Et presque tout le monde est à l'unanimité. Tout le monde est satisfait. Et le partage a été fructueux. L'interaction était très bonne. Les sujets, les topics et présentés, les débats, les échanges. Et ça a été très positif. Donc, nous. Nous n'avons pas aucun regret. Et au contraire, donc, nous pas qu'il est pour l'autre là pour le vivre. Parce que c'est extrêmement important comme nous. Donc, la rencontre est comme ça avec les groupes, parce que ça fait augmenter la performance du groupe. Et surtout, bon, et comme nous on a le deal, donc on a évité des personnalités toxiques. Parce que nos besoins de travail constructif, parce que c'est pas. Seulement pour nous perdre du temps. Mais et parfois, on n'a pas besoin de pile aussi. Et nous avons toujours besoin, et quantité de monde augmentée. Mais c'est des gens qui ont besoin, nous avons besoin de plus, qui pour et apporter, contribuer, hein, ouais, pour et nous faire un travail et qui allait dans le sens du bien, dans le sens pour nous aussi, nous qu'à récupérer. Ouais, le visage d'Haïti, déjà on a le deal là, donc tout pays a fait face à des difficultés. Moi-même, moi, laisse ça pour le moment, ça n'a pas passé en Haïti là, incommodation. Ouais, nous incommoder, incommodité, comme vous pouvez peut-être, mais l'autre pays, ils ont juste mis au plus commode. C'est juste sur arranger aux règles, les principes, etc. Et puis ils ont décidé. Mais des obstacles, des difficultés, et incommodité ça va arriver et il pas permanent. Ça veut dire que il faut nous récupérer le pays tôt ou tard. Donc, c'est pour ça que le travail, c'est un travail extrêmement important à rencontrer donc des Haïtiens sur place en Haïti et à l'étranger et qu'il faut nous capables d'arriver à remettre le pays à son rail. Moi-même, bon, côté pas mon travail sur place, je travaille sérieusement parce que mes deux éléments majeurs que j'utilisais, c'est le pragmatisme, c'est que il faut que nous rendions les bagages pratiques, ouais, et c'est la méritocratie, ouais, essayer de bailler mon place, monde qui méritait telle place, ça c'est le coup là. Donc, si nous voulons deux éléments, ça va, c'est Suyo, moi, Chita. Travail m'a fait en Haïti. Donc, le pragmatisme et la méritocratie, et m'a essayé moi-même contribuer, j'aime capable, poser pierre par moi, poser brique par moi, dans la construction nouvelle Haïti. Donc, si moi, m'a bien compris à partir de Sardia, ou même Dr. Grenson, nous sommes prêts pour mettre les mains en pâte là, de façon à ce que nous arrivions à porter un changement pour Haïti. En fait, à partir de tout ça, donc après tout ça que nous vivons, cheminement qui mène nous, Porto Rico, nous finissons suivre l'activité A. Maintenant, est-ce que nous gagnons attente? Qui attente, une dit personnelle, que nous gagnons par rapport avec l'initiative ça? Donc, par rapport à ICC, Initiative citoyenne pour le changement, est-ce que nous avons attente spécifique? Nous t'arrêtons, qui ça nous t'arrêtons, qui réalise spécifiquement nous-mêmes? Wow, ça c'est loaded question, une très belle question. Côté Haïti, et non, impact que Haïti a traversé là qu'on a à temps plein pile. So, on peut dire que nous t'arrêtons, mais ouais, en Haïti, par exemple, l'année prochaine, l'année prochaine, nous t'as bien remis fait aux rencontres Haïti.
Mais à cause de l'insécurité, nous pas voulu mettre en pièce pour nous, en vie pièce pour nous en danger, qui fait que nous avons pensé sérieusement comment nous t'es qu'à faire pour que nous t'es qu'à Haïti, qui est allé à Haïti ou pas. Okay? So, premier bagage que nous t'a aimé, comme on connaît, comme tout le monde connaît, que un pays qui pas gain, qui pas gain instabilité, ce pays, ça rend difficile pour que l'y avance. Instabilité, c'est un facteur majeur pour un pays qui a avancé. So, go packet zone en Haïti qui pas gain insécurité, mais malheureusement que l'Europe te donne la nouvelle, le fait que vous pensez que c'est tout Haïti qui compte ça. Mais c'est pas tout Haïti qui compte ça. Il y a des côtés là au Cap, Jacmel, même Gonaïves, sécurité a pas mal lié dans Port-au-Prince. So, pour une barre que nous t'avons mais ouais, c'est la sécurité. Pour l'autre barre que nous t'avons encore, c'est gouvernement haïtien qui est sur place là, pour y avoir un genre, pour y avoir négocier avec un gang yo capable de mener le pays. Depuis deux bagages sont faits, depuis commencer à avoir stabilité, nous avons des gens qui viennent investir dans le pays, nous avons des touristes. Il y a un paquet de bagages qui a fait dans le pays une fois que nous avons sécurité. So, pour moi personnellement, ça que moi t'as remis ouais, dans le pays, moi connais que y a des gens qui sont des bagages sur place, pour y planter, pour y faire business en Haïti. Mais tout le bagage, ça pour y faire bien. Pour que le gouvernement haïtien t'ait qu'à garantir mon cabinet en sécurité que il doit venir que dans le pays a pour investir comme bio dans la paix pour investir comme bio sans que il pas mettre vie par en danger. Personnellement, c'est ça me pensait. Ok, d'accord. Et docteur Genson, nous avons une attente spécifique par rapport à avec ICC. Donc, est-ce que jusqu'à présent, l'ANCEA est bon pour vous ou remet une vision, hein, peut-être, nous capable de dire, ou bien est-ce que nous avons l'autre attente ou t'as remis l'autre du plus, je ne sais pas. Et docteur Genson. Oui, effectivement, l'ICC, c'est un très bon démarrage. Sont très bonnes pistes de tête ensemble, de réunion de personnalités et des gens, donc des Haïtiens, pour que nous allions effectivement vers l'avancement. Et je pense que l'ICC a juste à ses débuts et que moi-même très positif et que nous avons fait en sorte de nous travailler pour que nous gagnions effectivement donc des résultats et des retombées positives par rapport à travail ici c'est à fait et Jean-Ronaldine l'a enchaîné effectivement Haïti moi-même toujours ouais, hope toujours espérer toujours espérer. Difficulté ou pas qu'à faire nous baisser les bras et il n'y a pas là pour tout le temps. Et comme des Italiens, c'est des obstacles qui sont capables de contourner ou bien finir par rentrer. Et comme dit Rénal le plus souvent aussi, dès que gagne la vie, ouais, gagne espoir. Et l'essentiel, c'est malgré les problèmes. Et c'est rester positif et continuer de travailler. Et Jean, ici, c'est à faire là, parce que, et comme dit l'autre, et comme dit Nelson Mandela, c'est très important. Mandela dit donc, échec pour Mandela, c'est pas un bagage. Il peut-être ça dit que, il pas jamais perdu. Ouais. Il pas jamais perdu. C'est ou bien y gagner ou bien y apprendre des échecs. Ouais, on n'a pas besoin de penser que, et même les Américains, never give up. Ouais. Et nous pas qu'à abandonner. Ouais. Et nous pas qu'à perdre, même si nous faisons face à échecs, à des difficultés. C'est
Effectivement, c'est soit nous gagner ou bien n'a pas prendre des échecs, des yo-yo, des problèmes yo, et pour nous arranger. Voilà. OK, d'accord. Donc là, maintenant, on va pas vous garder longtemps. Donc, pour finir, nous allons poser nos dernières questions, ça. Ou du moins, si nous avons un message, nous t'avons fait passer, genre, pour les jeunes et adultes tant que nous, qui vivent en Haïti ou peut-être partout ailleurs à l'étranger, à travers le monde, des jeunes Haïtiens ou des Haïtiens tout court. Donc, si nous avons un message que nous t'avons passer avec vous, c'est qui ça t'a pied, qui ça nous t'a dit par rapport avec l'expérience nous de vivre, par rapport avec ICC, par rapport avec situation paysan, rêve nous, projet nous, qui message ça t'a pied. Wow, c'est belle question. On pose une belle question seulement là. So, pour moi, personnellement encore, malheureusement, à cause de la capacité d'Haïti, nous n'avons pas jamais eu l'opportunité pour que nous menions un petit nom Haïti. Mais moi-même, personnellement, ça que moi, t'as fait un petit moyen de faire connaissance avec Haïti. Moi, t'as aimé un petit moyen connaît Haïti puis bien. Moi, t'as mis un moyen connaît la culture Haïti. Moi, t'as mis un moyen apprendre de réalité d'Haïti. Moi, t'as mis un moyen à visiter belle langue que nous gagnons Haïti. Moi, t'as mis un moyen remet manger maïmouné blanc à Zaboka. Moi, t'as mis un moyen connaît ça que Erzuli, ça vaudouille. Ça, c'est tout ça aussi culture, nous. Moi, t'as même fait connaissance avec toute réalité pays. C'est ça que nous t'as aimé. Docteur Genson, pour Avara. Ouais. Oui, en fait, parce que ça capable, ouais, je lui ai surtout gardé. S'il y a des jeunes qui sont très performants, c'est n'ayez pas peur et affronter les choses, apprendre, expérimenter et apprendre gain courage, ouais, parce que je ne sais pas oublier, même pays États-Unis, nous y est là. C'est des anciens. C'est des gens qui étaient devant eux, qui travaillent dur pour permettre de vivre, pour faire chemin de fer. Imaginez, pas de gain route. C'est l'esprit de sacrifice folle là. Et puis, ça permet que nos focus, ouais, sur développement Haïti. Parce que l'esprit de sacrifice, ça, faut là. Parce que si nous complaisons, nous, bon, dans toute bagaille, plus facile pour nous faire une bagaille, tout préparer, et nous pas qu'à gagner pays. Parce que même la République voisine, bien que Porto Rico encore en difficulté quand même, parce que nous pas discuter. Ouais, ils ont en difficulté dans un sens, mais la République voisine, la Dominicanie, c'est vraiment en difficulté. Mais, bien sûr, on commençait à sortir tête sur de l'eau. Et nous sommes capables de faire aussi. Et Haïti était Haïti. Voilà. Et donc, nous avons un travail, mais nous avons besoin d'une sorte de synergie. Ouais, synergie. Et nous avons besoin en interaction haïtienne, surtout, j'en appelle là, pour que nous venions de jour en jour performants dans un esprit d'ouverture et de patriotisme, ne pas qu'à laisser le tomber, pour que Jean, Ronald Dilala, nous tout cas retrouver dans notre pays, hein, même nos grands mondes et jeunes, et que nous et Kembe flambeau patria, c'était que
Joël Dolala, nous avons soleil, nous avons culture, nous avons des bagages pour nous manger. Et que pour ces jeunes, même si nous sommes dehors, ouais, nous sommes capables de faire un faisceau solide et que pour nous rebâtir et recamper Haïti. Donc, ça m'a dit un certain degré de comportement, d'attitude, de stratégie, parce que et en termes d'attitude et de comportement, ça a aidé nous préparer aptitude nous, ouais, et aptitude là, la voyer nous, comme on dit, vers l'altitude. Parce que et la reconstruction d'Haïti n'est pas dépendre du tout de l'étranger. Et donc, a toujours besoin d'assistance technique, technologique, si possible, etc. Mais dépend avant tout d'Haïtiens qui en Haïti et d'Haïtiens et qui à l'étranger, même si ils ont gagné l'autre nationalité. Parce que, comme disait l'autre, la CAQ sent toujours le hareng. Hein? On ressent toujours de ses origines. Donc, on met des. Ou canadienne, ou canadien, ou américaine, la CAQ sont toujours les harengs. Donc, cela veut dire que l'origine a toujours manqué. Oh. Donc, et c'est ça que c'était à Genio, mais on nous font faisceau. On nous font faisceau et que et les cadres apprennent titan, on doit buter, ouais, balancer, culbuter. Mais nous pensons que nous sommes arrivés. Merci beaucoup. Donc, en résumé, à partir de ça, nous sommes en train de nous sommes capables de dire que l'initiative citoyenne pour le changement, son appel à l'unité, son appel au regroupement de tout Haïtien, mettez tête ensemble, c'est un appel au retour au patriotisme, donc pas la guerre paysan, un pile monde parti, je dis moi-même pays, ça ne me pas mettre pied là-dedans encore. Puis l'Haïtien, petit, je ne sais pas qu'on a rien de Haïti. Donc, ben c'est qu'à travers l'action, ça, nous allons gagner une redécouverte d'Haïti, nous allons apprendre à aimer Haïti, nous allons apprendre à découvrir qu'on est culture nous et retrouver nous-mêmes, Haïtiens, en notre fort intérieur, qui est-ce nous y est vraiment, et de cette façon, avec tête ensemble, nous sommes capables de porter changement qui est nécessaire pour l'évolution et avancement pays. Donc, merci tout le monde qui t'a attendu, nous garder nous aujourd'hui. Merci à Dr. Grinson, mais merci à Renal qui t'a pris un petit temps, yo, t'es d'accord. Vini. Sous plateau aujourd'hui et partager ensemble avec nous expérience de activité, hein? Activité qui était organisée par ICC, qui c'est Initiative citoyenne pour le changement, dans Porto Rico en juillet pour arriver 16 juillet 2023. Donc, merci tout le monde et merci Rénal, merci Dr. Granson et à bientôt.